Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Ça fait longtemps que j'en ai plus tourné sur la chaîne, donc je suis super contente de revenir avec celui-ci. Surtout que là en ce moment j'ai pas tellement envie de vlogger, de parler de mes lectures en vlog. Du coup je me suis dit qu'un petit point lecture ce serait sympa pour vous parler de ces 6 dernières lectures. Alors j'ai lu d'autres petites choses mais j'ai choisi 6 livres pour cette sélection-ci. En ce moment je suis dans une boulimie de lecture, ça se passe bien au niveau de la lecture, j'ai des chouettes découvertes, ça se passe super bien, je vais un peu vous expliquer aussi les contextes de lecture qui aident pas mal. Promis, l'intro que vous avez vu juste avant, je vais essayer prochainement de changer les plans de Noël, etc. J'ai juste pas trop le temps en ce moment, donc vous avez encore, vous le coltinez encore les petits sapins. Alors d'habitude, moi, les sapins de Noël, j'aime bien jusque mi-février, hein, je suis ce genre de taré. Mais cette année, je ne sais pas ce qui se passe, j'en ai ma claque des sapins de Noël, de ma déco de Noël. Depuis le 5-6 janvier, là, j'en ai marre. Je veux tout enlever, mais je trouve ça tellement en même temps dommage, parce que bah, elle est restée qu'un mois, un peu plus d'un mois, et je trouve ça tellement dommage. Mais bon, voilà, je crois que je vais bientôt enlever tout ça quand j'aurai le temps. Mais bon, tout ça pour dire que l'intro de Noël, promis, elle partira bientôt. Alors, le premier roman dont je dois vous parler, il s'agit d'un roman de l'autrice Amélie Antoine qui m'a contactée sur Instagram, qui m'a dit qu'elle allait bientôt sortir un roman. Donc c'était début... bon, elle m'a contactée, je pense, fin novembre pour un livre qui allait sortir en janvier. Et bien sûr, elle m'a demandé si j'étais intéressée, bien sûr que je suis, que j'étais intéressée. Surtout qu'elle disait que c'était un roman très noir. Et moi, j'aime beaucoup, surtout étant donné qu'Amélie Antoine, elle a écrit Raison obscure, qui est un de mes livres préférés de tous les temps. Donc évidemment, j'ai accepté et je l'ai reçu. Et donc début janvier, j'ai lu ce livre, Pourquoi tu pleures, donc de Amélie Antoine, qui est sorti le 5 janvier. Aux éditions Le Muscadier Noir, et je vais un petit peu vous en parler. Alors j'ai déjà fait une mini chronique sur les réseaux, en tout cas sur TikTok, une mini chronique qui fait 1 minute 30, donc on va pas très très loin dans la vie lecture, mais vous avez déjà peut-être eu un aperçu si vous êtes sur cette sphère TikTok. Voilà, mais en tout cas je viens vous donner un avis un petit peu plus approfondi peut-être, avec un peu de recul aussi. Alors l'histoire commence avec une jeune femme qui se réveille après une longue sieste. Elle se réveille, il est 2h du matin, elle était tellement épuisée qu'elle s'est endormie pendant tout ce temps, et en se réveillant en fait elle se rend compte que sa petite fille de 4 mois et son mari ne sont pas là. Ils étaient censés tous les deux aller, son mari et la petite fille, aller à la soirée d'un collègue, et en fait ils ne sont toujours pas rentrés. Elle est un petit peu inquiète parce qu'il avait dit qu'il rentrerait pas trop tard. Surtout avec la petite, elle est super inquiète, elle a pas de nouvelles, elle a pas reçu de message, enfin vraiment c'est bizarre. Et donc elle va appeler la police pour dire que son mari et sa petite fille de 4 mois ont disparu. Et parallèlement à cette narration au présent, on va suivre des lettres qu'elle envoie à son père, des lettres qui parlent par exemple de la rencontre avec son mari, qui parlent de son passé, qui parlent de tout ça. Alors, je vais un peu vous parler de mon ressenti de lecture. Alors, je dois dire que la première partie du récit, je vais pas dire la moitié, mais peut-être le premier tiers, j'ai eu beaucoup de mal avec cette histoire parce que j'avais du mal à croire en ce que je lisais en fait. Et j'avais du mal avec la psychologie des personnages, je les trouvais très faux. Je voyais où l'autrice voulait en venir, mais ça matchait pas. Et vers la moitié du récit, allez, peut-être le fin du premier tiers du récit, il y a quelque chose qui change un petit peu dans le récit. C'est très difficile d'en parler parce que vraiment, les thématiques abordées sont vraiment très spoilantes. J'ai
été happée par une thématique en particulier, par un événement en particulier, et donc à partir de là, j'ai fait abstraction de ce qui me dérangeait, et justement, je trouve que l'autrice a parlé notamment d'un sujet, parce qu'il y a, je trouve, deux sujets dans ce livre, deux sujets principaux, mais il y a un sujet qui est, pour moi, essentiel, et qu'elle a extrêmement bien traité, avec énormément de pertinence, sans en faire trop, mais en faisant suffisamment pour un petit peu choquer, mais justement pour interpeller. Je trouve vraiment que le message est passé. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression vraiment que on avait des personnages très en surface pendant la première partie, et à partir du moment où elle a commencé à vraiment creuser, mais vraiment, on creuse un petit peu dans la première partie, mais après on creuse beaucoup plus. À partir du moment où on creuse beaucoup plus, alors là j'étais vraiment avec Amélie Antoine, j'étais vraiment dans cette histoire et j'ai adoré. Donc pour le coup, je me félicite d'avoir continué, parce que c'est vrai que notamment un personnage dès la première page que j'ai détesté, j'avais beaucoup de mal, et heureusement que j'ai continué, que j'ai insisté, parce que sinon j'aurais raté quelque chose. C'est vraiment, je trouve ça vraiment génial de l'autrice d'aborder un sujet, des sujets aussi sombres, qui effectivement qui sont trash, hein. Il y a des scènes, attention, âme sensible, hein, il y a des scènes très très violentes, mais je trouve que justement le fait d'en parler dans un thriller, ça impacte et du coup ça interpelle. Pour moi, c'est le type de lecture nécessaire. Un petit peu comme dans Raison Obscure, c'est pas du tout le même sujet ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que dans Raison Obscure, justement, il y a ce côté un peu très choquant, très glauque, très noir, d'un sujet de société qui est très important, mais qui pose justement des questions. Ça laisse un message. J'ai beaucoup aimé, c'était très 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 bien fait, nécessaire, et voilà. Le livre suivant, je l'ai lu pendant un petit marathon de lecture que je m'étais octroyée à la fin de mes vacances. Je m'étais organisée, j'avais vraiment anticipé le dernier jour avant ma rentrée. Je savais que j'allais vraiment être hyper angoissée. Du coup, je m'étais organisée une journée off dans ma bulle où je ne faisais que lire. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait un brunch cosy, tout ça, avec moi-même. Et je me suis enfiler des livres, voilà, tout simplement. Donc j'ai lu des graphiques, mais j'ai également terminé le Amélie Antoine dont je viens de vous parler, et c'était un pur moment de bonheur. Je m'en souviens très très bien, il y a une semaine, hein, et je me rends compte que c'est le type de rendez-vous que je vais m'octroyer dans le futur, parce que justement si je les organise, je peux très bien organiser le reste des semaines en fonction, et du coup me dire, ah oui, ce jour-là c'est une journée ou une après-midi rien consacré, rien qu'à la lecture, et en fait je me rends compte que c'était hyper bénéfique, ça m'a fait tellement de bien. Voilà, alors évidemment j'ai pas vraiment de journée où j'ai l'occasion de faire ça, j'ai très 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 peu de dimanches dans l'année où je n'ai rien, et donc pendant cette journée j'ai eu des chouettes découvertes. Et j'ai lu aussi un livre que j'avais acheté un peu pour l'occasion. Oh, c'est vraiment... Allez, c'est débile. J'avais envie de le lire, mais je l'ai acheté vraiment pour qu'il arrive avant. Et il s'agit de Persephone, Hades, Torment de Alison Shaw. Ici, c'est une version en anglais. Je pense qu'il a été traduit en français, effectivement. Mais moi, je l'ai acheté en anglais parce que c'était moins cher. J'ai fait quelques économies parce qu'effectivement, les VO sont souvent... moins cher que les VF, et donc là c'était vraiment fameusement moins cher, je sais plus combien je l'ai payé. Je dois quand même vous dire que moi je n'y connais rien en mythologie, mais quand je dis rien, c'est rien. Donc la raison pour laquelle j'ai toujours pas lu Circé, c'est que je n'y connais rien en mythologie. Voilà, je n'accroche pas, je n'ai jamais vraiment accroché à tout ce qui est philosophie et mythologie. Je commence à m'y intéresser, mais c'est pas non plus une passion. Enfin, je sais pas si je serai un jour hyper intéressée par la mythologie. Mais du coup, moi, Hadès et Perséphone, ah ben, je suis complètement débile, hein, j'en sais rien du tout. En tout cas, j'ai quand même lu ce livre. Alors, ça, je sais qu'il y a une histoire de kidnapping, etc. Et si c'est une réécriture en mode romance. Donc, en gros, Perséphone, elle est un peu harcelée par sa mère. Et Hadès va... elle va rencontrer Hadès, elle va faire... elle va avoir un coup de foudre et il y aura une histoire d'amour. Voilà, en fait, le résumé, c'est vraiment ça. Elle va tomber amoureuse d'Hadès, elle va avoir un big coup de foudre, on va rencontrer d'autres personnages, on va rencontrer Apollon, notamment. Il y a toutes sortes de personnages dont j'ai déjà entendu parler. J'ai quand même eu aussi des cours de philo, même si j'étais très, très, très nulle. Mais voilà, c'est une histoire, c'est vraiment une romance entre Hadès et Perséphone. Ah, j'ai trouvé ça vraiment pas fameux. Les dessins sont chouettes. Voilà, ça se laisse lire, c'est chouette, mais c'est pas très profond, ça va très vite,
T'as pas le temps de t'attacher au personnage. Par rapport à d'autres graphiques, j'ai pu dire non, t'as pas le temps de t'attacher au personnage, ça va 10 fois trop vite. Je trouve cette histoire creuse, mais creuse. Je vous la conseille vraiment pas. Voilà, j'ai trouvé ça très très creux, cette histoire. Oh, il y a une petite scène un peu érotique, pourquoi pas, ça me dérange pas hein, ce genre de scène, mais alors vraiment l'histoire, j'ai trouvé très très creuse quoi. Voilà. C'est une histoire d'amour, mais t'as pas le temps. T'as pas le temps. Les dessins sont chouettes, ça c'est vrai, mais je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté en VF. Ça m'a coûté beaucoup moins cher, donc voilà. Pour ceux qui sont hyper fans, je sais qu'il y a aussi de la littérature young adulte sur le mythe de Hadès et Perséphone, mais en mode romance, enfin j'en sais rien, j'y connais rien, mais je crois qu'il y a un truc young adulte qui est sorti là, avec Hadès et Perséphone. Pour ceux qui aiment bien ça, peut-être que ça vous plairait, mais c'est vraiment creux ça. Oh, je vous conseille pas, j'ai trouvé ça vraiment bête. Voilà, c'était mon avis pour ce livre. Et ensuite, on va passer à un livre. Alors, l'année passée, et même l'année d'avant, ça fait un petit moment que j'ai un petit rituel avec mon compagnon. Rien de très osé, hein. Je vais vous parler d'un rituel littéraire. C'est-à-dire que souvent, avant que je parte pour ma grosse journée du lundi dans laquelle je prends pas mal de transports, train, bus, tout ça. Avant de partir, mon compagnon choisit une lecture pour moi. Donc, alors on le fait pas tout le temps, mais là depuis la reprise, ça fait 2 fois. Oh, il y a eu que 2 semaines, donc ça fait 2 fois. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus fait, et je vous avoue que j'ai déjà eu des excellentes lectures grâce à ça. Puis qu'est-ce que je fais? La petite pile à lire que je lui donne, je la choisis vraiment le matin même. Donc ce sont que des envies du moment. Vraiment, le matin avant de partir, je lui donne 10 livres et je lui dis démerde-toi, il lit les résumés et il prend un livre, il le met dans mon sac et moi je le découvre dans le train. Et j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein, mais c'est un challenge qui me plaît bien parce que je sais d'office ce que j'ai envie de lire un de ces livres. C'est que des livres que j'ai envie de lire à l'instant T, donc forcément je suis toujours heureuse. Et j'ai déjà eu de tellement bonnes lectures grâce à ce challenge, Le Château des Bois Noirs. Par exemple, enfin voilà, il y a eu plein de bonnes lectures. Et là, le premier livre qu'il a mis dans mon sac en 2023, il s'agit de Piranèse de Susanna Clarke. Il faisait partie de mes piles à lire prioritaires, comme beaucoup de livres, mais à chaque fois, je les lisais pas parce que y avait d'autres livres encore plus prioritaires. Et franchement, je suis très heureuse qu'il l'ait choisi, donc je viens vous en parler. Alors, Piranèse de Susanna Clarke, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup parler de manière un peu énigmatique. Donc les gens ne font pas de résumé de ce livre parce qu'ils disent qu'il faut vraiment rentrer à l'aveugle, découvrir. Et moi à chaque fois je suis frustrée, je dis mais dites-moi quelque chose quoi, parce que là j'aimerais savoir quoi, dans quoi je m'embarque. Et en fait finalement je me rends compte que les gens ont raison. Voilà, il faut pas dire grand-chose sur ce livre parce qu'effectivement il faut le découvrir complètement vierge de toute information. Je vais juste vous dire deux, trois petites choses quand même, mais qui ne spoilent rien du tout. On va suivre le personnage de Piranèse, qui est dans un monde qu'il est visiblement le seul à comprendre. Donc il nous décrit son monde, il décrit les portes, les statues, voilà, tout ce qu'il voit dans son monde, dans son univers. Et nous, on rentre là-dedans, mais enfin je dis nous, mais moi je suis rentrée là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on est? C'est quoi cette histoire de porte? Oh là là, moi je suis perdue, j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, j'étais perdue moi dans cette lecture, dans la première partie de cette lecture. Oh, je me disais, mais en plus j'en avais marre des majuscules, il y avait tout le temps des majuscules partout. C'est vraiment hyper bizarre. Et pourtant, j'étais à la page genre 50, 60, j'étais toujours dedans. Et j'étais envoûtée parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fou dans cette lecture. C'est que malgré le fait que tu comprends pas trop au début où tu es, eh bien, il n'empêche que c'est hyper envoûtant, c'est hyper prenant. L'autrice a ce don de nous prendre par la main, de dire « Ouais, tu comprends rien, mais t'inquiète, ça ira, continue. » Et t'es accrochée par ce personnage, par ses découvertes. Il y a quelque chose de très pur chez ce personnage, très naïf. Et en fait, finalement, j'étais tellement envoûtée que quand il y a certains changements dans l'histoire, dont je ne parle pas évidemment, quand il y a certains changements, j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super moment avec cette lecture. Je ne vais pas jusqu'à dire que c'était un coup de cœur, mais l'expérience de lecture était vraiment chouette. Et surtout, il y a certains messages qui sont laissés. Encore une fois, j'aime bien vous dire quand il y a des messages à la fin des livres, mais j'ai envie d'en parler, moi, des messages, mais je ne peux pas, ça spoil, quoi.
Donc voilà, je vais pas vous dire les messages, mais j'ai adoré, j'ai été très 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 touchée par les messages qu'il y a dans ce livre. Et j'ai été très touchée par le personnage de Piranès, qui est effectivement très naïf. Et voilà, une très très belle lecture. Si je dois dire trois mots pour résumer cette lecture, c'est envoûtante, énigmatique et, je pense, magique. Dans le sens très 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 large du terme. Voilà, je vais pas pouvoir en parler beaucoup plus longtemps, mais en tout cas, très très bonne lecture. Eh bien, on est vraiment sur du bon, hein, de très bonne lecture, puisque le livre prochain dont je vais vous parler là, c'est également un livre que j'ai lu lors de mon marathon de lecture. Il s'agit d'un livre qui a été écrit par le même auteur qui a fait Police Lunaire, qui était dans mon top de l'année 2022. Nous sommes en 2023, donc oui, je viens de filmer. Bref, passons. 2022, j'ai parlé de Police Lunaire, je pense que c'est le premier livre dont je l'ai parlé dans la vidéo. Et j'avais dit que j'avais adoré, et en fait, il a écrit également, Tom Gold a écrit également La Revanche des Bibliothèques. Aux éditions 2024. C'est un livre aussi qui a été conseillé par notre ami Thierry qui l'a lu, qui m'a dit qu'il avait beaucoup aimé, qu'il m'a dit d'ailleurs que ça allait me plaire, et c'est vrai que je l'avais vu passer, il m'avait déjà bien titillé, et quand j'ai vu en fait que c'était Tom Gold, que c'était aux éditions 2024, j'ai pas hésité. J'ai adoré cette lecture, c'était trop chouette. Alors ce sont des petites anecdotes à chaque page, hyper sympathiques autour de la littérature, le monde du livre de manière générale. Vraiment, c'est super drôle, j'ai adoré l'humour, moi ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai juste regretté une chose, c'est mon expérience de lecture, c'est que je l'ai lu un peu d'un coup. Et bah non, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut le lire de temps en temps, il faut le déguster, et c'est vraiment chouette. On parle beaucoup de critique littéraire dans le livre, c'est pour ça que je sais pas trop, La Revanche des Bibliothécaires, je sais pas trop si le titre est hyper adapté, mais en tout cas, voilà, on parle des auteurs qui recueillent des commentaires sur la dernière version de leur manuscrit. Il y a une critique constructive, on nous montre la critique déconstructive, la critique destructive, la critique séductive et la critique obstructive. Enfin bref, c'est sympa. Franchement, j'ai passé un super moment. J'ai souri, j'ai même ri, alors que moi je ris, j'ai pas d'humour, hein, c'est bien connu, et donc je ne ris pas quand je lis, c'est rare que je ris en lisant, et donc mon compagnon s'est retourné plusieurs fois me voyant rire, donc c'était plutôt bon signe, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Un chouette humour, parfois très fin et parfois un peu lourdeau, mais c'est chouette. Le livre suivant, c'est un roman que mon compagnon a choisi également, qu'il a mis dans mon sac, que j'ai découvert ce lundi et que j'ai déglingué, vraiment. Alors, autant c'est arrivé beaucoup de fois les lundis, moi je traîne sur les réseaux, j'écris mes petits trucs, enfin bref, je fais pas mal de choses et parfois je lis même pas dans les transports. Et autant, il y a des livres parfois qui me happent complètement et je ne fais que ça. Et en fait, je peux aller très loin dans les livres, vu le nombre d'heures que j'ai. Et donc, ça me lance bien, moi, sur ma semaine de lecture parce que bah, le mardi, si j'ai commencé un livre le lundi et que j'ai lu déjà 2 heures, bah, le mardi, je suis déjà bien dans le livre et du coup, sur la semaine, ça me lance bien. Moi, j'aime bien ce challenge quand même. Et donc lui, ce qu'il a choisi, c'est un livre qui était dans ma pile à lire. Je pense que je l'ai acheté vers septembre-octobre. Et franchement, je l'avais un peu oublié, ce livre. Je l'ai vu dans ma sélection. Je me suis dit, oh oui, pourquoi pas. Et il a choisi celui-là. Il s'agit de Rosine, une affaire criminelle ordinaire. Une criminelle ordinaire, plutôt, de Sandrine Cohen. Et ils disent que c'est l'un des textes noirs les plus forts de l'année. En fait, en commençant cette lecture, j'avais l'impression, en voyant la couverture, j'avais l'impression que ça allait être un témoignage. Et en fait, c'était complètement un roman policier, un roman policier, thriller psychologique, un peu un mélange des deux, puisqu'on a la trame policière avec les enquêteurs et on est aussi avec le personnage. Donc ici, le livre commence avec Rosine, qui est une jeune mère, une jeune maman de 2 enfants. Elle a 2 petites filles, une de 4 ans, une de 6 ans. Au début du livre, elle leur fait prendre le bain, elle s'amuse avec eux, ils chantent une petite chanson. Il y a son compagnon qui rentre dans la salle de bain. En gros, il lui dit au début du livre qu'il réfléchit sur leur relation. On sent qu'il y a un petit doute. Et en fait, bah elle va noyer ses filles, quoi. Et donc elle va se retrouver évidemment en prison. Et on va suivre une enquêtrice, Cléa, enquêtrice de personnalité, qui va essayer de découvrir mais comment c'est possible que cette femme, Rosine, qui est une femme bien sous tout rapport, quand tu parles aussi à l'entourage de Rosine, visiblement l'entourage est surpris, enfin pas vraiment choqué, parce que bah, Rosine c'est un peu la mère parfaite, qui est hyper épanouie dans sa maternité, et on comprend pas comment c'est possible qu'une femme, comme ça, sans raison apparente, à part juste un gars avec qui elle est depuis 10 mois, qui lui dit qu'il réfléchit sur sa relation, elle trouve que c'est pas suffisant, c'est pas une raison suffisante pour tuer ses enfants. Voilà.
Et en fait, le livre, ça va être ça. On va suivre principalement le personnage de Clélia qui enquête. Alors, Clélia, c'est un petit peu le cliché de la flic ou du flic torturé qui a un passé. Voilà, il y a ce côté qui peut être un peu dérangeant, c'est que Clélia, ben oui, elle boit, elle a des relations pas très saines avec les hommes, elle est hyper violente dans ses propos, elle est hyper impulsive, elle va faire des choses qu'il faut pas. C'est vrai qu'on voit qu'elle est un peu tarée, quoi. On sent qu'il y a une histoire un peu triste dans son passé. Et donc on va suivre Clélia qui, dans sa vie privée, mais aussi qui enquête sur mais Rosine, parce que c'est ça le titre du livre et c'est ça qu'on veut découvrir, comment ça se fait que Rosine a tué ses enfants, comment est-ce possible? Et en fait, j'ai adoré cette lecture. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo et je vous le dis tout le temps, je suis hyper fan de psychologie de personnage, je trouve ça hyper important pour moi de développer les psychologies et là, autant vous dire que c'est vraiment le cas. Parce qu'effectivement, on n'a pas le côté surprise que j'aime tant quand on lit un policier thriller domestique, on n'a pas le côté surprise qui fait qui a tué, on sait, on était là, on l'a vu, elle a tué ses enfants. Non, on n'a pas cette surprise-là, mais justement, on attend une révélation, on attend de découvrir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Rosine pour que tout d'un coup, paf, pendant 6 minutes, elle mette la tête de son enfant sous l'eau, quoi. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et Clélia va analyser, va être là pour creuser, creuser, creuser. Ça déplaît beaucoup de gens, ça déplaît à beaucoup de gens, mais elle est là, Clélia, et qu'est-ce que c'était intéressant, qu'est-ce que c'était chouette. Elle approfondit le langage des gens, la manière dont les gens parlent de Rosine, justement, tout ça, elle relève tout ce que les gens disent. Quand une amie de Rosine dit oui, ses enfants, c'était la prunelle de ses yeux, et Clélia, elle relève qu'on dit tout le temps ça, la prunelle de ses yeux, mais quel rapport ça a avec ses yeux, avec... Vous voyez, elle fait un peu des... Elle se moque un peu aussi des gens, et elle analyse tout ce que les gens disent, elle note et on voit ses prises de notes. Et j'ai vraiment adoré la manière de fonctionner de Clélia, son impertinence, essayer de comprendre pourquoi est-ce que le mari de Rosine, le père des filles, n'a pas l'air d'en vouloir à Rosine. Elle essaie de comprendre. Enfin, c'est vraiment super chouette. Ce sera pas le gros coup de cœur, et encore, ça peut encore changer, parce que on en apprend plus sur le personnage de Clélia, et je trouve qu'il y a un goût de trop peu. Je trouve que sur la fin, on manque d'informations, on a envie d'en savoir plus sur le personnage de Clélia. On passe beaucoup de temps avec Clélia, avec sa vie, avec ses déboires, que pour la laisser de côté comme ça, sans avoir plus d'informations, donc j'imagine qu'il y aura un tome 2, j'espère. Et aussi autre chose, il y a une plaidoirie dans le livre à un moment, et je trouve que cette plaidoirie, sur le fond, est très 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 bien, mais sur la forme, j'y ai pas trop cru. Voilà. Donc à un moment, il y a une avocate qui s'exprime, et j'ai beau n'y connaître rien en tout ce qui est juridiction, en tous ces trucs-là, mais quand elle s'exprime, j'y ai pas cru. Alors j'ai vraiment été à fond, dans le fond de ce qu'elle dit, mais sur la forme, j'étais pas trop, j'y croyais pas trop. Et aussi parfois, Clélia a tendance, avec les gens, à résumer un petit peu sa pensée psychologique. Quand elle passe qu'elle parle à des gens lambda qui n'y connaissent rien, genre moi ou n'importe qui, quand elle simplifiait le jargon, elle simplifiait tellement que ça devenait un peu plan-plan et que j'y croyais plus trop en son personnage. Mais bon, ça c'est un peu un détail, mais sinon j'ai adoré cette lecture, j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai passé un super moment. Franchement, je vous le conseille si vous aimez bien ce type de livre, bien évidemment. Parce que, en gros, on sait, mais on sait pas pourquoi. C'est ça qu'on attend. Et je vais terminer avec la dernière lecture, je vais passer assez vite dessus. Il s'agit d'un petit graphique que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'Ambre et de Feu de Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est chez Jungle, c'est les autrices de Entre Neige et Loup. J'avais lu Entre Neige et Loup l'année dernière qui m'avait été prêtée. Et j'avais passé un bon moment, ça va pas être un coup de cœur je pense, mais je pense que j'ai préféré celui-ci qui est très très automnal, des couleurs. Enfin vous allez voir, les pages, les planches sont splendides. On va suivre l'histoire du royaume d'automne, on va suivre Kitsune. Son village a flambé, elle est la dernière des Kitsune, elle essaye de survivre dans la nature avec son ami le renard et ses amis les animaux. J'ai beaucoup aimé, c'était très mignon, c'était très doux comme lecture, un petit moment dans la forêt, petit moment de douceur du dimanche soir. J'ai vraiment passé un super moment avec cette lecture, c'était très mignon, c'était très doux. Je ne vais pas développer encore pendant 3 heures, hein. C'est une lecture quand même assez courte aussi finalement. Voilà, sinon ma lecture en cours. Là, actuellement, j'ai toujours des trucs qui traînent hein, depuis un moment, donc je ne vais plus vous parler, voilà. Mais j'ai commencé un livre
alors qui était dans ma wishlist depuis un long moment. Je me souviens, j'étais allée en librairie, j'avais demandé chez Filigrane à la libraire, j'avais demandé, écoutez, je cherche un roman de fantasy qui est avec un auteur qui a l'humour et qui soit trop chouette. Et la libraire m'avait dit, écoutez, il y en a un qui vient de sortir, c'est au moment justement où il venait de sortir, et j'ai vraiment passé un super moment, c'était chouette. Elle m'en a super bien parlé et moi je l'ai pas acheté parce que je trouvais que ça coûtait super cher. Et donc j'ai attendu, j'avais mis dans ma liste de Noël et je viens de le recevoir pour Noël il y a quelques jours. Il s'agit de Gidéon la 9e, je suis trop contente et du coup j'ai tellement attendu ce livre. En plus j'ai entendu les avis de Cornélie qui m'a donné encore plus envie de le commencer là tout de suite. Donc là je suis pas très loin, je suis page 40, mais ça se lit pas très vite, hein. Donc c'est vraiment un livre plutôt lent, un univers qui... enfin je pourrais pas résumer, je vais peut-être attendre un peu avant de le résumer, mais je passe un super moment et là j'ai envie de commencer, j'ai envie de me faire un livre encore un peu psychologique comme ça, Petite dent, grand croc d'Émilie Guillaumin, aussi une histoire de maternité, une histoire... je sais pas trop ce qui va se passer, mais... l'histoire d'une femme épouse-mère en apparence comblée, mais en fait non, enfin, je sais pas ce qu'elle va faire, je sais pas si elle va trucider ses enfants, mais en gros ça a l'air super chouette. Voilà, écoutez, il fait presque nuit là, hein, il est 4h de l'après-midi, tout va bien. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, que ce point lecture, je sais que c'est pas forcément un format qui plaît particulièrement, mais j'avais envie d'en faire un, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.